Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu, il y a eu la petite annonce preview. C'est la vidéo, on va aller chercher Omar. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas le numéro de son pote, j'ai pas pu appeler, mais je pense qu'il a dormi chez son pote. Younes, il vient d'arriver. Yacine, malheureusement, il a pas pu venir, mais Younes, il vient d'arriver. J'ai appelé tous les gens qui étaient là hier. On va aller faire la recherche, les gars, on va aller le chercher. J'espère qu'on va le trouver. Mais au fond de moi, je suis sûr qu'on va le trouver, les gars. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui s'est passé. Donc, les gars, on va se retrouver en bas. Je vais aller retrouver Younes et les autres et on va mener l'enquête. Bon les gars, ça y est, l'équipe est là. Salem, j'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Donc Younes, si je t'ai amené ici, c'est parce que hier en gros, déjà, regarde, il y a les deux premiers coupables. Mais on va pas aller aujourd'hui, ils vont nous aider aujourd'hui. Mais c'était deux coupables. En gros, ils ont fait quoi après l'école avec Omar? Au lieu de rentrer à la maison avec le confinement, ils sont allés au lac et ils ont joué à Fortnite sur le téléphone. Avec Comme ça fait longtemps qu'on approche de la Fortnite et tout, parce que moi je suis plus trop Fortnite, on a voulu nous essayer et après on a aimé et on s'est dit arrête, c'est des petits. Imagine Younes à l'époque de MW2, on aurait pu tous se réunir dans le même endroit pour jouer. Parce que côté c'est discret. Donc les gars là, comme je vous ai dit, l'heure est grave, on va devoir aller chercher Omar. Omar, il est pas. En fait, il est avec eux. Ryan, il a mis un masque, il est parti les courser, tu vois, genre pour les punir, parce qu'il faisait un truc de ouf. Et ils sont tous enfuis. Et vas-y, on a réussi à rattraper ces deux-là, mais Omar, il s'est enfui d'un autre côté, on l'a pas trouvé. Donc moi, je pense qu'il est allé chez un pote, mais on va aller chercher au lac encore une fois, on sait jamais. Ouais, c'est parti. Pourquoi tu me ramènes là? Bah, parce que je me suis dit, t'as vu, hier, c'était dans ce parc-là qu'on l'a perdu. Imagine, il est encore dans le repère du fou. Dans la mesure, vous êtes repartis là-bas. Ben, ils étaient là-bas, tu sais, ils étaient où? Ils étaient plus haut. Ils étaient là-bas. Il est là le cimetière. Il est à droite, c'est ça le cimetière, wesh. Ouais, mais il y a que des fous ici, wesh. Vas-y, on va voir. Viens voir, on va perdre du fou, Younes. C'est pour ça que je me suis dit, on sait jamais, il faut qu'on soit plusieurs. J'ai monté une petite équipe. Là, les gars, là. Vous n'avez pas eu de nouvelles depuis l'autre fou, là, depuis l'autre fois? Non, depuis l'autre fois, on l'a pas revu. Alors, moi, je vais pas te mentir, je viens pas souvent ici. Vous, les gars, quand vous venez, vous voyez pas de fou, vous? Non. Parce qu'une fois, il y avait un fou, hein. Moi, je connais pas. Vous avez pas entendu les cris, là? Il n'y a pas eu des cris? C'est des enfants, je crois. Non, je crois qu'il y a des enfants. Et ça, c'est un décor de film d'horreur. Hein. Je vous jure, regardez là, on dirait pas, genre là, on est dans Conjuring. Il y a un film de fou là. Comment vous êtes? Bah oui, il y a un cimetière en plus. Putain, il lui est rien arrivé. Imagine, il s'est caché là-bas. Est-ce que quand vous l'avez vraiment vu partir ou vous l'avez pas du tout trouvé? Si, j'ai regardé les recs. Et en fait, il part de l'autre sens. Et genre, Ryan, il course les deux. Et pas lui. Non. Eh, hey, mais si je l'attrape, mon frère, hein, je vais lui mettre une de ses fessées. C'est grave ce qu'il fait. Eh, par contre, je vous préviens, les petits, c'est la dernière fois que vous faites des trucs comme ça. Regardez les problèmes, y a pas de fou là. Non, c'est bon. C'est bon, y a personne. Vas-y, on fait vite fait le tour, on va vite fait se rapprocher du repère. Y a personne ici. Non, y a personne ici. Tu vois ce que tu me fais faire, remarque, quand je vais te trouver, tu vois ce que je vais faire. C'est un truc de fou ce qu'il fait. De toute façon, moi je vais en parler à vos parents. Vous deux là. Je vais en parler à vos parents. Si, je vais en parler à vos parents. Vous allez être privé, vous allez voir Fortnite si vous allez continuer. Vous avez vu Fortnite, il nous emmène dans quelle merde, Younes? Ce jeu là, il. Non, ce jeu il pue la merde, qu'on soit bien d'accord, il pue la merde ce jeu et Omar on arrive. Ça dépend quelle saison. Non, il est tout le temps nul. Il est tout le temps nul. Là vous jouez encore à Fortnite? Là hier quand vous êtes rentré, vous avez joué à Fortnite? Direct. Attends, excuse-moi, je t'ai dérangé. Ça fait 3 ans qu'il est sorti, est-ce que t'en as pas marre? Tous les jours t'es dans le bus, t'atterris, tu spawn, c'est tous les jours la même chose, t'en as pas marre? Il n'y a pas d'autre jeu qui t'intéresse? Si, il y a Call of Duty. Merci. Bah là Younes, il y a le repère. Oh, il y a quelqu'un. Ah non, c'est quelqu'un qui marche, je crois. Purée, j'ai eu peur. Moi, je croyais que c'était quelqu'un d'une psychiatrique et marche comme ça, genre. Ouais, moi aussi, j'ai eu grave peur, wesh. Toi, tu parles pas beaucoup, toi, t'es suspect, toi, je pense. Hein. Toi, je pense que c'est tu couvres Omar. Hein. Moi, je pense que tu le couvres. Hein. C'est pas normal que tu parles pas. Lui, encore, plus tard, il s'explique. Mais toi, tu dis rien, toi. Ah bah, il est là, Younes. Rappelle-toi de cet endroit mythique. Ouais, là, il y avait le fou. Il était là, il avait ligoté et franchement, non. Là, c'est mort, moi je le vois pas. Bah, on va faire le tour, je pense qu'il est pas ici. Hein. Et son bigot, il répond à son bigot? Mais je l'ai confisqué. Ah, après, ce mahli, c'est un concours de circonstances qui est nuisant. Putain, parce que regardez les gars, il y a le cimetière derrière, putain. Bon. Ah, vous savez. Après, là, passé au moins. Il avait un téléphone? Ouais. Là, tu veux pas nous le dire, pourquoi vous le couvrez? Eh, moi je pense que Younes, ils ont des trucs bizarres à nous cacher, eux deux. Hein.
Pourquoi ça tu me l'as pas dit hier déjà? Est-ce que vous savez où il est? Il a pris une direction, nous deux on a pris la même direction. Ah vas-y, viens on avance, on fait un tour, on va voir s'il est pas... Je pense qu'il a, ça se trouve il est retourné au même endroit, un truc comme ça, on va voir. Ah les gars, est-ce que vous avez quelque chose pour arrêter de nous mentir? On va péter un câble. C'est rien. C'est rien? Est-ce que t'es sûr que tu sais rien, Yann? Je suis sûr, Ok. De quoi? Hein? Mais dis pas, c'est viens là, viens là, viens là. Viens là, je vais tomber là. Arrête-toi! Dis-moi là, c'est lui. Il m'a fait flipper carrément. On va discuter. Dis cours, Romain. C'est quoi ça? Dis cours. Comment ça court? Pourquoi court? C'est quoi ça? Tu fais quoi ici? Tu rentres pas pendant toute une nuit? Tu crois on est où? Je suis allé dormir chez mon pote. Et pourquoi? Je savais que tu allais dormir là-bas. Et pourquoi t'es pas rentré? Viens, on va monter, on va discuter. Vas-y, viens. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Bon, on fait quoi là maintenant? Pourquoi vous le couvrez? C'est-à-dire qu'il avait un téléphone depuis le début, vous saviez où il était? Je vous parle, Yad et Monaïm. Yad, tu savais où il était ou pas? Yad. Oh, je te parle! Tu savais où il était ou pas? Désolé. Hein. Comment ça, désolé? Oui, je le savais. Tu le savais et tu dis rien? Je veux pas. C'est haram ce que tu fais, tu sais? Je veux pas, je veux pas. Romain, regarde-moi. Tu vois quoi là? Pourquoi tu fais le rebelle? Tu vas chez ton pote et tu dis rien à ton frère. Il m'appelle, il me dit ouais Younes, je suis comme un fou. Déjà ma petite soeur elle est malade, je suis venu, j'ai quitté la maison pour venir là. Tu fais des trucs comme ça à ton âge. Il se passe quoi dans ta tête? Là souvent il fait que des dingueries. Hein. Là ce que tu vas gagner c'est que là on va rentrer, ton téléphone je vais le récupérer. Ça va plus être ton téléphone, je l'avais dit, hein, tu te rappelles. Ouais, ouais, mais pas de conneries, sinon je le reprends. Ouais. Et c'est tout ce que t'as gagné. En plus là c'est le confinement. S'il y a la police, ils viennent, ils nous mettent amende 135x5 là. On te l'a dit, Omar. Je sais pas pourquoi t'es bête comme ça. Pour un jeu pour Fortnite, vous êtes vraiment des malades mentaux. Hein. Vous êtes des enfants, je sais que Fortnite, vous êtes rentré dans la tête, ouais, mais pour jouer, vous demandez des temps et tout. Oui, même ouais, si c'est le meilleur jeu. Mais dis aux gens, t'es où? Mais pourquoi vous allez pas jouer, je sais pas, vous allez chez vous, chez toi ou chez Monaïm? Pourquoi vous allez vous cacher derrière un cimetière, vous avez pété un câble? Est-ce que tu m'as interdit? Ouais, mais un cimetière, tu te rends compte, c'est quoi un cimetière? Un cimetière où on enterre les morts, vous allez jouer là-bas à côté, vous criez. Hein? Eh ben on est venu. J'espère pour toi que c'est la dernière fois. De toute façon là tu vas être vraiment privé de tout. Hein. Limite là ça va être privé de respirer si tu continues là. Oh tu comprends quand on parle ou pas? Vas-y on rentre là, déjà on est en retard, viens on rentre et on va finir nous. Et vous je vais voir vos parents. Ça c'est sûr à 100%, je vais aller voir. Ouais mais je vais aller voir vos parents. Ouais mais moi je vais aller les voir. Je vais aller voir vos parents. On va voir ce qu'ils en pensent. S'il te plaît. On va voir ce qu'ils en pensent. Bah tant mieux. On va voir ce qu'ils en pensent. Vas-y. Ouais, ça y est, Omar, t'es tout seul là. Wesh, il se passe quoi? Fais pas des trucs comme ça, frère. C'est grave dangereux. Eh, hey, j'étais comme un fou pour toi. Je suis parti, j'ai quitté ma maison pour venir te voir. Fais plus des trucs comme ça. En plus, en plein confinement, de... ça le pire, c'est trop dangereux. Tiens le téléphone. Là, je vais te prendre pendant 2 jours. Quoi? Pendant 2 jours, je veux que Sofiane, il m'appelle tous les soirs, il va m'appeler, il va me dire Younes, Omar, il s'est super bien comporté. Dans 2 jours, si t'es sage, Inch'Allah, je viens te le ramener. C'est pour que tu comprennes, frère. T'sais, moi j'aime pas taper la hadra, ça sert à rien. Avec ça, tu vas comprendre, tu vas galérer, tu vas comprendre. Donc voilà, et dans les commentaires, c'est pas la peine de la méchant ou quoi. Moi j'espère que t'as un message à leur dire, au moins tu vas t'excuser parce que c'est très grave ce que t'as fait. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout, on n'a pas besoin de plus. Restez là, on va parler après hors caméra parce qu'on a des trucs à se dire. Tu m'appelles. Ouais, t'inquiète, je te préviens de tout. Vas-y, moi je repasse dans 2 jours, Inch'Allah. Vas-y, les gars. Compte sur vous pour bombarder les pouces bleus et de vous abonner, c'est très important pour suivre la suite si ça va bien se passer. Bon les gars, regardez, Omar il est blasé, on est le lendemain. Il est en train de réviser parce que ça y est, il est puni de téléphone et de play. Omar c'est mérité, est-ce que là, tu vas plus recommencer, ça y est. Bon bah les gars, ça fait plaisir, au moins il a compris ses erreurs. Je voulais tout particulièrement, avant de vous quitter, passer un gros merci à Younes qui est venu nous aider. Cette fois, je reviens le même cahier, je peux pas jouer un peu?
Non, Omar, là, tu... Pas de jeu, pas de téléphone. Calme, t'as fait un truc de fou, t'as fugué une nuit, frère. C'est très grave ce que t'as fait. Donc, merci à Younes de nous avoir accompagnés. La chaîne de la compagnie sera en description. Et merci à Ryan, parce que c'est Younes et Ryan, ils m'ont grave aidé. Ryan aussi, sa chaîne sera en description. Les gars, je fais des vidéos avec lui, donc de temps en temps avec lui. Donc, si vous aimez, vous pouvez aller voir. Tout sera en description. Et Omar, j'espère que c'est la dernière fois que tu fais ça. Hein. Ouais.